Donc, pour ce numéro-là, ici, premièrement, dans la question, on vous demande donne les dimensions du gâteau, mais quand vous rentrez votre réponse sur Challenge U, tout ce qu'on vous demande, c'est la hauteur. De ce fait, ben, vous pouvez tout simplement oublier la base. On ne rentrera pas cette réponse-là sur Challenge U. Peut-être que c'est ça votre erreur. J'ai le problème. Roger le pâtissier a reçu une commande pour le gâteau de fête de Mme Désiel. Elle lui donne les directives suivantes. Le gâteau est rectangulaire, doit avoir un périmètre de 46 cm et la hauteur doit être 31 cm de moins que le double de la base. Donne la hauteur de ce gâteau. Donc, nos deux inconnus, donc la première étape, nos deux inconnus, c'est la base. La base ici va être en centimètres. Donc, ça ici, c'est en centimètres. Et la hauteur va aussi être en centimètres. À partir de là, il faut déterminer à qui on met le X. Donc, le gâteau rectangulaire doit avoir un périmètre de 46 cm et la hauteur doit être 31 cm de moins que le double de la base. Donc, la hauteur se fie sur la base. Donc, la base va avoir X. 31 cm de moins que le double. On donne deux consignes ici. 31 cm de moins que le double. Moi, ce que je te donne comme truc, c'est de mettre le double en premier. Donc, le double. Et ensuite, de suivre la première consigne qui était 31 de moins. Donc, moins 31. La deuxième étape, ça peut vous aider de dessiner votre rectangle. Donc, la base, c'est X. La hauteur, c'est 2X moins 31. Nous, ce qu'on sait, dans le fond, c'est que le périmètre, c'est 46. À partir de là, si tu sais que le périmètre, c'est 46, le périmètre, bien, ça se peut que ça t'aide de décrire que ça, c'est X, puis que ça aussi, c'est 2X moins 31, pour pas faire l'erreur honteuse. C'est pas X plus 2X moins 31 qui donne 46. C'est X plus 2X moins 31 plus 2X moins 31. Il y a plusieurs façons de l'écrire. Moi, ce que j'aime écrire, c'est 2X plus 2 fois 2X moins 31. Donc, ce que je fais dans le fond, c'est deux fois la base et deux fois la hauteur qui donne le périmètre. Juste remonter le tout un petit peu. Donc, voilà. À partir de là, je vais aller résoudre mon équation. Donc, la troisième étape, ça va être d'aller déterminer la hauteur, parce que c'est la base. Je m'excuse parce que c'est la base qui a X. Donc, quand je vais trouver X, je vais automatiquement trouver la base. Ce que je vais faire dans ce fond, je vais tout simplement réécrire mon équation. 2x moins 31 est égal à 46. Je vais faire la première étape de la résolution, mais je ne ferai pas tout. Vous devrez être capable de le faire seul après. Donc, je vais distribuer le 2 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça fait 4x moins 62 qui est égal à 46. À partir de là, vous devrez être capable de continuer. Tout ce qui vous reste à faire dans le fond, c'est de résoudre l'équation qui est là pour déterminer la base. Et ensuite, de trouver la hauteur en substituant votre valeur de x dans l'expression algébrique qui est ici de la hauteur. Voilà!